32 armes à feu saisies, plus passé 363 moun arrêtés, environ 14 gangs démantelés dans le département Nord. Ça c'est bilan opération direction police judiciaire Nord SDPJ mené sorti mois janvier pour arriver mois septembre 2023 ça. Explication porte-parole PNH Nord inspecteur divisionnaire Harold Jean dans conférence de presse Salibay mardi 3 octobre 2023. Nous arrivé saisi les armes que nous avons gardé là qui au nombre de 32 armes à feu. Alors faut me dire que c'est pas ça seulement gain l'autre que nous voyons la justice mais pour ça crété dans nous là nous gain 32 armes que la police saisi plus spécialement enquêteur SDPJ Norio dans diverses opérations que yo a mené dans département pour permettre que population rale en souffle avec bandits qui veulent prendre moun en otage dans zone ça et dans fusil ça yo bien zam ça que la police saisi a nous gain 8 fusils nous gain 11 revolvers 9 mm nous gain 6 revolvers 38 nous gain plusieurs armes créoles bon armes créoles nous pas même présenté yo mais nous gain quantité d'armes créoles qui était dans bureau nous et nous gain plusieurs dizaines de cartouches tout que la police saisi et au cours de l'opération que SDPJ Nord menait tout de janvier 2023 à date et parfois en appui avec l'autre unité dans le département et nous arrivons à frapper base 14 gangs et dans 14 gangs ça nous démantelé a gagné plus de 4 nan yo qui démantelé complètement ça veut dire la police a arrêté tout suspect net qui impliqué dans gang ça et gain l'autre qui gain quelques grains suspects que n'a continué rechercher et qui en cavale responsable a précisé c'est dans commune Cap-Haïtien force l'audio crasé plus base gangster inspecteur divisionnaire Harold Jean continue mandé collaboration population noire ça cap permettre yo mettre main dans collecte toute malfrat qui t'a gain l'idée vinn tabli base yo dans département noire particulièrement dans cité Christophe là Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique.